Voilà. Bonjour les amis, je vais vous présenter, je vais vous montrer plutôt où j'habite. C'est un ancien immeuble qui appartenait à l'hôpital Saint-Sauveur. Ça se trouve à Mulhouse. En fait, je vais vous montrer la façade. En fait, avant ça, c'était une morgue à l'époque, il y a longtemps. Elle a été construite en 1885, cet immeuble. Donc en bas, je vais vous montrer les escaliers. Ça, c'était les morgues. C'est là où elle dort, ma fille, je sais pas comment elle fait. Je sais pas le courage qu'elle a, mais moi je pourrais pas. Après, je voudrais vous montrer autre chose. Regardez bien. Quand vous rentrez, vous voyez le couloir. Pour vous montrer que c'était un ancien hôpital. C'est là, il y avait. De l'autre côté, il y avait où ils accouchaient les femmes, les malades. Et ici, on voit que c'est. Regardez le couloir. On voit que c'est un couloir d'hôpital, quoi. Et chez moi, je vis dans un souplex, je vous dis pas. En bas, c'est tout glacé. C'est là où ils entreposaient les corps, les cadavres, tous les morts, les mornés. Et là, c'est pas que ça, c'est que là aussi, ça a été saccagé. On a volé le voleur à mon fils, à mon ami, à un pote, à un ami, je veux dire. Et c'est infesté de rats. Il n'y a pas que ça. Enfin, bref, ça craint, quoi. Voilà. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est aussi ma boîte aux lettres. J'ai réparé plus de 10 fois. 10 fois elle a été réparée. Et 10 fois on me l'a cassée. Voilà. Et là je retourne chez moi. Et je vais vous dire à bientôt. Je vous dis à bientôt les amis. Ciao ciao. Excusez-moi, j'ai du mal à parler à cause de la chaleur. Bon, je vais rentrer. Prochainement, je vous montrerai l'appartement. Oh, je vais vous montrer les anciennes chambres qu'ils ont dit que c'était des chambres de menti, quoi. C'était des morgues. Allez, à plus.